Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live Escape Game. On va jouer à Unlock, ça fait quelques boîtes d'Unlock qu'on fait maintenant. Merci Maxildan de m'avoir prêté toutes ces boîtes. Et cette fois on va faire celle qui s'appelle Exotic Adventures. Alors Unlock c'est toujours trois petits scénarios dans une seule boîte. Donc vous avez le premier qui s'appelle La Nuit des Croque-Mitaines. Le deuxième qui va s'appeler, c'est celui-là en fait le deuxième. Ils l'ont mis comme ça, mais le niveau de difficulté numéro 2 c'est celui-là. Le dernier conte de Scheherazade. Et Expédition Challenger c'est le dernier avec l'espèce de T-Rex qui est là. Donc vous avez trois petits niveaux de difficulté, un cadenas, deux cadenas, trois cadenas. Donc on vous dit éventuellement par quelle aventure commencer pour le faire éventuellement dans l'ordre de difficulté. Après ça varie, parfois dans certaines boîtes on a trouvé un scénario plus facile qu'un autre alors qu'il était indiqué comme ayant un niveau de difficulté plus compliqué. Voilà, donc comme toujours, hein, ça fait plusieurs lives maintenant qu'on fait. Si vous voulez regarder la version en mode tuto, il faudrait regarder le premier Unlock qu'on a fait sur cette chaîne. On avait d'ailleurs fait la version tuto. Dans chaque boîte, vous avez un petit tuto. Donc vous faites une mini enquête pour juste vous montrer un peu la mécanique. On va trouver des cartes puzzle rouges et bleues qu'on va devoir additionner si jamais c'est cohérent de le faire. On a des cartes qui seront jaunes avec cadenas parce qu'il va falloir rentrer un code. Et on a aussi les machines en vert dont on aura besoin pour trouver des choses. Alors apparemment les scénarios sont vendus aussi en solo, mais c'est pas très prisé. Ah oui d'accord. Alors si vous voulez vous procurer des Unlock, c'est 15€ un scénario, alors que quand vous achetez une boîte comme ça, c'est 30€ et donc ça revient à peu près 10€ le jeu. Donc c'est peut-être plus intéressant de vous procurer une boîte et puis je trouve que ça vous permet d'avoir un petit peu plus de matière quand vous jouez. Alors la grande question, hein, j'avais fait un petit sondage sur Twitter en demandant si vous préfériez Unlock ou Exit parce que c'est les deux grands jeux d'escape game qu'on fait sur cette chaîne et c'est plutôt Unlock qui a été prisé et je me suis dit que c'était peut-être parce que plus de gens avaient eu accès à Unlock, notamment parce qu'ils se prêtent. Donc, c'est la question qui revient le plus souvent. Quand vous faites votre Unlock, normalement, vous ne pouvez plus y jouer parce que vous aurez vu la mécanique et les énigmes. Mais on disait ce matin aussi que parfois, quand ça fait tellement longtemps que vous l'avez fait, et si l'énigme ne vous a pas plus marqué que ça, vous pouvez quelques années après, est-ce qu'on parle en années, je ne sais pas, mais le refaire. En attendant, comme on ne va pas annoter les cartes, déchirer les cartes, manipuler le matériel, couper... Exit, j'adore couper. Eh bien, vous pouvez effectivement le prêter à vos potes, quoi. Moi, je sais que je suis pas une folle. Je vais juste le remettre à l'endroit. Je suis pas une folle de ça. Si un jeu se prête pas, c'est pas grave. En fait, il y a plein d'autres jeux que je vais prêter. Je trouve que c'est un prix très raisonnable. Exit, qui a une dizaine d'euros, quoi. 13. Bah c'est pas grave, vous avez passé un bon moment, je pense, entre amis ou en famille, et puis bon, bah ça se jette, c'est pas très grave. Ça fait parfois un peu mal au cœur de se dire, bon, bah je jette la boîte parce qu'il ne resservira pas, mais c'était un bon moment, et encore une fois, cet argument du prix fait que bah, vos potes ou votre famille peut aussi s'en acheter, quoi. Donc s'il y a un scénario que vous avez vachement aimé, vous pouvez le conseiller, et ils y jouent. Donc voilà, c'est un argument qui revient assez souvent. Au niveau rejouabilité, c'est un peu restreint parce que moi, je sais que je me rappelle en général des énigmes, donc c'est compliqué de les refaire. Et pour ce qui est de prêter le jeu, eh bien... Et vous en prêterez d'autres pour Exit, et celui-là, vous pouvez le prêter, parce qu'il reste en bon état. Mis à part qu'il y avait cette petite chose à côté, qui a déjà été craftée, du coup. Je ne sais pas si c'est embêtant pour mon enquête. Mais elle a déjà été craftée, la petite chose-là. Bon. Donc, si jamais on me demande de le faire, je ne sais pas. On verra, ça va arriver. Salut à tous ceux qui sont sur le live, qui sont là éventuellement pour la première fois. Bienvenue. Merci à Alpha pour ton follow, merci aussi à Spokaspok pour le follow, c'est très cool. Et bienvenue tout le monde, et ben on va se lancer, on va commencer. Donc pour jouer à Unlock, vous avez besoin de vos cartes et de l'application, vous ne pourrez pas jouer sans l'application. Exit par exemple ne vous demande pas d'avoir le téléphone. Bon, c'est pas très grave de pas forcément les... aimer l'un ou aimer l'autre, on peut aimer les deux. Moi je les avais comparés parce que c'est deux choses un peu différentes et c'est ceux qui sont, que je fais le plus ici, qui sont les plus connus, mais ce sont un peu deux façons de jouer différentes. Voilà, et bien on est parti. Quand vous avez votre application, vous mettez Unlock tout simplement dans le magasin des applications et vous cherchez Exotic Adventures et on va vous proposer en dessous les trois petites aventures. Du coup, on va choisir La Nuit des Croque-Mitaines. Alors, on peut mettre Start quand on veut, je pense, parce que là, il n'y a pas quelque chose qui accompagne à part ce petit truc. Je vais le mettre là, il est déjà fait. On y va, La Nuit des Croque-Mitaines. Alors, voilà des nuits que le petit Guillaume a un sommeil très agité. Le pauvre enfant est chaque soir agressé par des monstres cauchemardesques, les croque-mitaines. À la faveur de la nuit, vous poussez la porte de la chambre de Guillaume à la recherche des monstres. Minou, hein, on dirait un peu monstre compagnie. Faites attention, l'enfant dort et il serait malencontreux de le réveiller. Prenez la feuille carrée qui se trouve dans la boîte. C'est ça, il y a le but très carré. Lancez l'application, sélectionnez le scénario La Nuit des Croque-Mitaines et appuyez sur Start maintenant. Retournez cette carte.
Un livre au sol gêne l'ouverture de la porte. Et du coup, je vais prendre la carte M, puisqu'on me dit que j'ai le droit. Il y a effectivement un petit livre un peu de monstre. Alors, le jeu, je l'ai récupéré, les cartes n'étaient pas triées. C'est pas grave, hein, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur je sais plus quel scénario. Là, vous avez des petits chiffres de 1 à 60. Vous pouvez les ranger de 1 à 60 quand vous prêtez le jeu. Là, ça n'a pas été fait, c'est pas très grave, parce que on va quand même aller rechercher les cartes, quoi. M. Très bien. Guide des monstres, chapitre 1. Les croque-mitaines. Ces monstres effraient depuis des millénaires des générations d'enfants. Ils prennent 4 formes différentes dans le but de remplir de cauchemars la tête des enfants. Chaque forme doit être éliminée séparément. Ah. Si un cadre rouge apparaît sur une carte, vous devez en suivre les instructions immédiatement avant de regarder toute autre carte. Ah d'accord, j'ai compris. Alors, l'Alixou, tu dis, ouais, Sherazade, tu l'as fait longtemps, tu restes, ok. Exit a adapté son prix au fait qu'il ne se prête pas, absolument. Et c'est pour ça que je trouve que moi, ça vaut le coup. Je préfère parce qu'on peut découper. Très bien, je prends la carte D parce qu'il y a écrit suite page D. Alors, évidemment, c'est un temps qui vous est compté de chercher les cartes. Au-delà du fait que c'est chiant. D. Guide des monstres, chapitre 2. Celui qui rampe dans le noir, il dessine dans les ombres des formes menaçantes et lance des regards glaçants au cœur des ténèbres. Il donne le frisson, mais une lumière douce et rassurante aura raison de lui. Ok. Suite en page. C'est comme croque-mitaine. Ok, il est où celui-là? C'est. Celui... Alors, c'est le guide des monstres, chapitre 3. Celui qui surgit. Sournoisement caché dans les espaces fermés, il bondit pour faire sursauter de peur. Tout recoin sombre lui plaira, de la plus petite à la plus grande boîte, en passant par un banal placard. Éliminer toutes ses cachettes jusqu'à la dernière. Suite page I. Salut tout le monde, bienvenue hein, depuis ce matin. Je serais contente de vous retrouver. Celui qui tire les ficelles. Putain, il y en a combien, bordel? 4 formes différentes? Non. C'est le troisième. Il utilise des ombres angoissantes pour tirer les fils de cauchemar et manipuler l'enfant à sa guise. Trancher les fils qu'il utilise pour se suspendre. Ok. Ok. Et suite page X. Rien que de faire ça, ça m'a pris 3 minutes. Celui qui mange les rêves. Caché au plus profond du rêve de l'enfant, il le dévore peu à peu pour le changer en cauchemar. Entrez dans le rêve et assénez les 3 coups pour achever le monstre. Assez de lecture, il est temps d'agir, prenez la carte O. Objet caché, avez-vous remarqué l'étrange forme de l'interrupteur du store, de la chambre, de Guillaume? De quoi? Où ça? J'ai censé avoir pris la chambre de Guillaume? Non, pas encore. Ah, ça doit être la carte O. Bougez pas, cherchez le poney. Je suis même pas arrivée dans la chambre de « que tu me donnes un objet caché » application. Avez-vous remarqué l'étrange forme de l'interrupteur du store de la chambre de Guillaume? Ah bah oui, je l'aurais vu carrément, il y a écrit 99. Vous êtes où? Vous êtes là. Merde. C'était pas très compliqué à voir ça. Il y a écrit 99 ici. Je suis vachement prêt. Voilà. Alors, on peut prendre toutes les cartes qui sont écrites dessus. Je vais prendre 76, 84, 83, 7, 67, 77 et 99. Alors. 84. 99. J'ai pas envie d'en louper, du coup je vais lentement. 67. J'ai pas loupé 77. Je crois que j'en ai loupé. 77, il est là. 76, il est là. Alors, 67, il est ici. 99, 84, je l'ai pris parce que oui, j'ai le droit. Et 83 et 7, ok. J'arrivais. Elle est sympa, cette petite musique. Moi, j'aime bien. Je sais pas si à la longue, elle va pas me taper la tête, mais quelqu'un en changera. 7. Attends, il y en avait des cartes à prendre. Alors, tu vas avoir besoin de place devant toi. Ah oui, oui, j'enlèverai ça à terme, bien sûr. Pour éviter de perdre trop de temps, nous, on trie les cartes par ordre croissant numéro d'un côté et lettre de l'autre. C'est un gain de temps. Ah, mais on a le droit de faire ça parce qu'à la base, elles sont rangées de 1 à 60. À mon avis, c'est pour pas y toucher. Et vous devez chercher dedans.
C'est amusant, j'ai fait ce scénario avant-hier, il est simple mais bien fait. Bonne partie, je reviendrai plus tard dans la journée. Conseil ? Désactive les objets cachés auto dans l'appli, ça simplifie un peu trop à mon goût. Ouais, mais on a déjà regardé, j'avais pas réussi. Objet caché, là, je clique dessus, ça fait rien. Il y a écrit auto et ça fait rien. Je peux pas l'enlever. Là, peut-être. Ah ! Objet caché. Manuel. D'accord. J'ai désactivé, on va faire 100. A plus tard, merci Spock à Spock. Oui, la partie je fouille dans les cartes est faite pour ça. Oui, je pense que c'est fait exprès. Alors, on a trouvé des petites choses. Pareil là, sur la... il m'aurait dit, avez-vous vu sur l'aile de l'avion, il y a effectivement un petit 22. Donc on va prendre 22, 34, 46, 72. Ah oui, il faut des cartes hein, quand même là. 34, 46 et 72. On est là. Peut-être qu'on remettra les objets cachés au cas où... Mais là, je l'aurais vu en plus, c'est un peu con. Il m'a dit l'interrupteur, mais bon. Alors, est-ce qu'il y a un truc caché, là ? Sur son lit, il y a 7 petits soleils. Oh, petit cœur, il dort. Voilà, il est là. Ensuite, j'ai ouvert ça. Croque-mitaine ! Attends. Si un cadre rouge apparaît sur une carte, vous devez en suivre les instructions immédiatement avant de regarder toute autre carte. Ah, comme par hasard, j'ai ouvert un croque-mitaine. Celui qui rampe dans le noir apparaît devant vous. Il tient quelque chose entre ses... mâchoire, c'est la carte 4 qu'il tient et on me dit de regarder la 97. Alors. C'est marrant, je trouve, comme principe. Il tient la carte 4, un télescope, c'est un puzzle, bleu, et 97. Terreur. L'obscurité semble envahir les lieux. Pauvre chou, il a un nom, ce gosse. Ça va être comment, celui-là? C'était lequel? Ma carte de début. Là. Guillaume. Oh, petit chou. Alors, l'obscurité semble envahir les lieux. Contrainte. Vous ne pouvez plus avoir que 4 cartes face visibles au total. Ah, mais là... Donc, quand vous révélez une carte, retournez-en une autre face cachée. Cette contrainte n'affecte pas les cartes terreur. La contrainte prend fin lorsqu'on vous indique de défausser cette carte. Cette contrainte n'affecte pas les cartes terreur, ça veut dire quoi? Ne concerne pas les cartes terreur, ça veut dire que la carte terreur ne fait pas partie des 4. Mais attends, là je vais rien garder. Bon bah je vais retourner ça. Je vais retourner ça. C'est ça. Et donc ça je dois le compter dedans, c'est ça qu'ils veulent dire? Ou ça compte pas? Je sais pas. De quoi tu... J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Mati. Ah oui. Ah oui, si vous triez les cartes, oui. Oh bah, je pense que chacun fait comme il veut. Ça fait sûrement partie du jeu de chercher. En même temps, on peut trier les cartes parce que je trouve que perdre autant de temps sur, chercher les cartes, c'est pas non plus ouf. Donc les trier, c'est bien aussi. Hein. Alors, les cartes liées aux monstres ne comptent pas, il me semble. Ah, d'accord. Les monstres et la carte terreur de ce monstre ne comptent pas, d'accord. Parce que c'est pas très très bien dit. Cette contrainte n'affecte pas les cartes terreur. Parce qu'elle n'est pas affectée, c'est elle qui affecte la contrainte. Enfin, bon, d'accord. Donc ça, j'en ai que 2, 3, 4, c'est ça? Bah, je vais retourner ça. J'ai pris les cartes et je vais retourner ça. Donc j'aurai le droit à 2 cartes. D'accord. C'est chaud. Quand t'es tout seul, c'est mieux de trier, sans doute, oui. 3 à 4, c'est plus marrant de pas savoir où est la carte. 7, une petite boîte en carton solidement fermée. D'accord, ça fait 3 cartes. 4, le placard est fermé par un code à 4 chiffres. Ça marche. Alors je vais retourner je vais retourner celle-là, parce que pour l'instant j'en ai pas trop besoin. Un puzzle. Un store électrique est baissé dehors, la nuit est tombée. Eh, on pourrait regarder par la fenêtre avec ça. 88, ça ferait. Je vais retourner cette boîte pour retourner une autre carte. Ah, croque-mitaine compte pas, c'est ça que vous disiez? Oui, compte. Salut Laurie Aline, merci. Je passe faire un coucou, je m'en vais pour ne pas me spoiler. T'as bien raison. Bon jeu Tarsa et des poutous à toi aussi. Il ne compte pas, d'accord. Il ne compte pas. Croque-mitaine et terreur compte pas, donc j'ai télescope et ça marche. Une machine, 99, ça je vais le garder, un interrupteur. Et en quatrième carte, on va prendre... Il y a la chambre, d'accord. Il a des jouets. S'il y en a qui veulent screen ou quoi. Voilà. Donc un ballon, bon il y a plein de choses, je l'observerai en temps utile. Écoutez, je vais ouvrir ma machine déjà pour commencer.
Ah, un interrupteur. Alors, si j'essaie de mettre la lumière, c'est ça. Oh, mais pourquoi j'ai perdu une minute juste parce que j'ai appuyé sur un bouton, les gars? What? Ah, pour faire remonter le store. Mais moi, je croyais que je voulais allumer la lumière ou faire je sais pas quoi. Le store électrique est baissé dehors. Ah, c'est le... Oh, bah, d'accord, laisse tomber. Elle est conne, celle-là. En fait, c'était le petit interrupteur du store électrique. Donc, si on veut remonter le store, on fait la flèche du haut. Bah oui, moi, j'ai appuyé complètement au hasard et j'ai perdu une minute, quoi. Super. Je vais essayer de la récupérer, cette minute. Entrée dans mes cartes, déjà. La 5, j'ai le droit de prendre, du coup. Non, j'ai cliqué total au hasard. Je pensais pas qu'il fallait réfléchir déjà, quoi. Du coup, ce serait une quatrième carte, la 5. Je vais retourner la chambre, là. Non, je garde la chambre. Ça, normalement, vraisemblablement, j'en ai plus besoin. Je vais retourner la machine. Encore un puzzle. J'ai le droit de prendre la 98. Il y a le store, la fenêtre ouverte. Et c'est un puzzle rouge. Par contre, j'ai le droit de défausser 84 et 99. Ok. 99, la machine. Ça marche. Donc, il fallait pas additionner. Fallait. Si j'avais additionné, je me demande ce qu'il m'aurait dit, tiens. Parce qu'avec mon télescope, je regarde à travers le store, tu vois. C'est pour ça. Très bien. Donc, ça, je l'ai pris. J'ai le droit. Et la chambre. Et par contre, on me dit prenez la carte 98. On va essayer d'aller vite. Pour parce que cette musique, cette petite minute perdue parce que j'ai appuyé au hasard, elle me reste là, tu vois. 98. Donde esta? Là. Oh putain. Les ombres s'étendent et forment celui qui tire les ficelles. Génial. Prenez immédiatement la carte 78. Et je me suis pris deux monstres en même temps, là. D'avoir peur, le gamin. Terreur. Bah oui, c'est la terreur de ce monstre-là. C'est quoi la contrainte? Le monstre s'insinue dans votre esprit et vous contrôle comme une marionnette. Contrainte, vous devez toujours garder la main avec laquelle vous écrivez dans le dos. Ah merde! La contrainte prend fin lorsqu'on vous indique de défausser cette carte. Oh non! Je suis droitière, je mets donc ma main dans le dos. Oh là là, j'ai deux monstres d'un coup, là. Bon... Contrainte, ça marche pas. Et l'autre contrainte, c'est d'avoir que les 4 cartes. Ok, ça roule. Je vais faire machine 98 parce que je voudrais tuer ce monstre. Il faut couper ses fils, apparemment. Ça dit... Il utilise des ombres angoissantes pour tisser les fils de cauchemar et manipuler l'enfant à sa guise. Trancher les fils qu'il utilise pour se suspendre. Ah, d'accord. Peut-être que... Il y a des fils. Tu peux couper sans couper tous. Ah oui, d'accord. Bon, ça, faudra le couper, c'est sûr. Couper. Ça, du coup, tu peux couper... Tu dois couper lui. Là, tu dois couper lui. Et là, tu peux couper... Tu dois tout couper. Tu vas voir, j'ai perdu une minute, là. Bah oui, tu dois tout couper. Si je coupe pas lui, il va rester suspendu là. Là, il va rester suspendu là. Faut que je coupe. Mais peut-être je suis pas obligée de tout couper parce qu'avec le poids, s'il reste plus qu'un seul fil, avec ce poids, il va enlever le fil, non? Moi, j'ai envie de tout couper là. Mais moi, il y a des petits ciseaux là, j'ai envie de tout couper. Je me rends pas compte. Si j'ai coupé lui et que j'ai coupé lui, non, mais je dois tout couper en fait. Tu vas voir qu'il faut pas tout couper. Perdez une minute. Putain, espèce de gros bâtard. Alors, tac, tac. C'est sûr qu'il fallait pas tout couper. Mais je comprends pas très bien. Pour moi, faut tout couper. Pour moi, faut tout couper. Il est retenu partout. J'essaye ça. Non, mais je veux pas perdre 14 minutes. Je vais faire combien d'essais? Où est tous les fils, ils touchent en haut. Mais on se rend pas compte si c'est vraiment suspendu, tu vois. Si je prends que les fils droits, ça fait ça. J'ai perdu 3 minutes là. Ça va pas là. Je prends un indice les gars, je peux pas perdre 14 000 minutes comme ça. Alors, indice. 98. À quoi se raccroche ce monstre? Car seuls les bons fils le feront dégringoler. Bah oui, merci, j'ai compris. J'ai bien compris, hein. Voulez-vous un indice supplémentaire? Placez la carte de la fenêtre au-dessus de cette carte pour savoir quel fil couper. Oh là là, je rêve. Bon, allez. Mais j'ai le droit de prendre ma main. Et moi, je vais faire le jeu à fond. Je prends pas ma main.
Oh là là, je te jure. Donc fallait faire ça, ok. Ça me fait une belle jambe. Mais comment on sait en fait? Ah. Comment on sait? Ah, alors attends, éventuellement. Il faudrait couper. Donc c'est sur celui-là. Celui-là, apparemment, non. Celui-là, oui. Celui-là. Bah moi je dirais non du coup. Celui-là, oui. Celui-là. Ouais! Le croque-mitaine s'enroule sur lui-même comme une pelote de laine et s'écrase au sol, libérant ainsi de curieux objets. J'ai le droit d'enlever ma main? Ah non, jusqu'à ce qu'on me dise de défausser la carte. Ah bah ça va être bien pour prendre les cartes, tiens. Allez. Putain. Je cherche la 29. La galouse. 29 ou... Et 86. Je te jure. Quelqu'un débarque là et fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? 86. Ah. J'ai le droit de la prendre? Je vais retourner ça. Ah, j'ai mal au bras gauche là. Merde, un dessin. Putain, le môme il dessine hyper mal. 86, c'est ça? J'ai pris la quoi là? Non, c'est la 86. Moi, je veux la 29. Là, il va me dire défausser la carte main là. Ouais! Défausser la carte main dans le dos. Allez. Voilà, j'ai défaussé la 78 et j'ai défaussé la 98. Super quoi. J'avais pas du tout vu qu'il fallait. Mais j'ai toujours la contrainte d'avoir 4 cartes. Les filles du croque-mitaine se recroquevillent et s'enroulent en marionnettes chaussettes bien plus mignons. Bien plus flippants. Une espèce de signe en chaussettes, c'est dégueulasse. Alors. Oui, je lis pas le chat de toute façon parce que je veux pas lire de spoil. Donc j'avais dit ne me donnez pas la réponse. J'ai pris un indice en l'occurrence, mais quand je cherche, je regarde moins le chat. Je vous laisse discuter entre vous parce qu'il y en a qui donnent les réponses. Ah, il y a un 7 dans l'objet. Si on cherche ensemble, à la rigueur, mais me dire regarde ça, du coup je lis pas. Tac. J'essaie de les faire un peu à ma façon et seul, et quand on le fait à plusieurs, ça dure 3 heures. Elle est où 7? Bah merde. Je cherche et je la trouve même pas. Oh merde. Mais je les ai comptés en plus au début. Ah non! C'est parce que c'est la carte 7! Non, il me faut la carte 7. Elle est là. Bah je devais déjà la prendre. D'accord, je devais déjà la prendre. Ok. Je l'avais juste retournée à cause de ma contrainte. Et du coup, je peux pas la voir. Bon, je retourne ça et ça. C'est un puzzle. Je regarde elle. C'est la machine, on le fera pas. Donc machine, coffre. Et le dessin. Bon, j'ai d'autres cartes que j'avais trouvées ici. Je vais retourner les jouets pour regarder la 0. Ah oui, c'était sa chambre, donc j'avais pris. Je vais regarder la 46. Une lampe. Une lampe de chevet dont on a retiré l'ampoule. Ok. Une machine. Un tiroir vide, il semble pourtant lourd et plus profond vu de l'extérieur. D'accord. Je regarde juste ce qu'on me demande et cette fois j'appuie sur rien. Ah oui, d'accord. C'est le dessin qu'on voit là. Un tiroir vide, il semble pourtant lourd et plus profond vu de l'extérieur. Ok. J'ai trop peur d'appuyer sur des trucs. Ah, j'ai le droit d'appuyer sur des étoiles. Ça fait rien. D'accord. Ah oui, d'accord. Je peux appuyer sur un nombre d'étoiles. Peut-être le nombre d'étoiles qui sont sur son lit au petit gamin. Qu'est-ce qu'on avait vu déjà? Il est où ce con là? Là. C'est des soleils, il y en a 7. Bon, ça doit pas être ça, j'en sais rien. Je range la machine pour l'instant et ça je regarde. Une ampoule! Alors, s'il faut pas additionner l'ampoule à la lampe, je joue plus à ce jeu. Il est où celui-là? Une lampe. Une lampe de chevet dont on a retiré l'ampoule. Une ampoule capable d'émettre une forte lumière. Et du coup, peut-être que si on arrive à me remettre la lumière, il n'y a plus il n'y a plus d'obscurité, donc je verrai toutes mes tocards. Je vais prendre la carte 80. Parce que je vais additionner la lampe et l'ampoule. Tac.
Lumière, l'éclairage est trop puissant. Alors, je dois défausser la 34. Oh, l'éclairage est trop puissant. C'est quoi votre problème encore? Guillaume se réveille en pleurs. Vite, racontez-lui une histoire pour le rendormir. Lisez à voix haute les livres les plus proches, 90 et 91. De quoi? 90 et 91? Faut que je prenne les cartes, 90 et 91? Je suis en stress, là, j'ai réveillé le môme. Il pleure. Putain, t'as 12 ans, Guillaume, remets-toi. 90 et 91, ok. Merde, j'ai mis la lumière, je l'ai réveillé. Bah au moins, s'il est réveillé, il fait pas de cauchemar, tu vois. Faut voir les choses comme ça. T'es réveillé, tu rêveras pas de monstre. 90 et 91, vite, faut lui lire ça. Pour trouver le code qu'il rendormira, vous ne pouvez plus consulter aucune autre carte en attendant. Putain, faut que je rendorme ce gamin. 80. Machine non trouvée. Ah non, pardon, c'est un code, excusez-moi. 90. Oh, je suis trop enrhumée. Excusez-moi, je renifle. Dans un tout petit univers, il y a une toute petite galaxie faite d'une seule petite planète autour d'un tout petit soleil. Sur cette toute petite planète, il y a sur le petit continent, au milieu d'un tout petit lac, une toute petite île avec une toute petite forêt. Et au cœur de cette toute petite forêt, il y a un tout petit coffre enterré avec un tout petit mot dedans sur lequel il est écrit en tout petit « Je t'ai fait perdre du temps ». Le petit garçon ne parvenait plus à dormir. Toutes les nuits, le vilain monstre venait le hanter. À tous les coups, c'était la faute de cette sorcière, de Mafalda, qui lui avait jeté ce sort rien que pour l'embêter. Tout ça parce que le petit garçon avait dit que le vélo de Mafalda était moche. Mais enfin, magie pour magie, le petit garçon se décida à éliminer le monstre à armes égales. Après bien des recherches dans des livres de monstrologie, il découvrit qu'il suffisait de se brosser les dents 5 minutes, d'allumer une petite veilleuse et de compter les moutons jusqu'à 25. Bon. Alors. Merde, j'ai rien compris moi. Dans un tout petit là, j'ai plus le droit de regarder des cartes. Donc ça veut dire que je ne peux pas me servir de cartes que j'avais déjà vues. On est d'accord. Donc, est-ce qu'il faut compter les nombres de petits? Oh là là, j'en sais rien. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je suis censée trouver? Si je compte le nombre de fois, il y a écrit petit. Vingt-cinq ou 26, on s'en fout. J'en sais rien là, j'ai perdu là. Je voudrais regarder. J'ai pas besoin d'autres cartes, on est d'accord? Trouver le code qu'il rendormira juste avec ces deux cartes en fait. Dans un tout petit univers, il y a une toute petite galaxie faite d'une seule toute petite. D'une seule petite planète autour d'un tout petit soleil. D'accord, un petit continent au milieu d'un petit lac, une petite île avec une petite forêt. Au cœur de cette petite forêt, il y a un petit coffre enterré avec un tout petit mot dedans sur lequel il est écrit « Je t'ai fait perdre ton temps ». Le petit garçon ne parvenait plus à dormir. Toutes les nuits, ça se trouve, on s'en fout complètement de cette carte. Toutes les nuits, le vilain monstre venait de le hanter. A tous les coups, c'est la faute de cette sorcière de Mafalda qui lui avait jeté ce sort rien que pour l'embêter. Tout ça parce que le petit garçon avait dit que le vélo de Mafalda était moche. Mais enfin, magie pour magie, le petit garçon se décida à éliminer le monstre à armes égales. Après bien des recherches dans des livres de monstrologie, il découvrit qu'il suffisait de se brosser les dents 5 minutes, d'allumer une petite veilleuse et de compter les moutons jusqu'à 25. Et si je mettais 5 de 5 minutes, 1 pour la petite veilleuse et 25 pour les moutons? C'est nul. C'est nul. Je sais pas trop ce qu'ils attendent en fait. Je connais pas Unlock non plus méga bien. Il y a sûrement dans le texte un code caché. Je sais pas si je dois m'attendre à un truc hyper visible ou... Alors attends, machine. Non, code. Putain, c'est ça les gars. Guillaume se rendort. Vous pouvez continuer votre aventure. J'ai tenté ça les gars. 5 minutes, une veilleuse, mouton jusqu'à 25. 5, 1, 25. Disappointed. C'était ça. Guillaume se rendort. Bah écoute, rendors-toi. Hein. Vous pouvez continuer votre aventure. Défausser 90, 91 et 80. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Bon, ça, je vais le... Alors non, 5... Et bah là, je vais faire mon télescope. Là, je prends la carte 9 et je vais regarder, là. Allez.
prends la carte 9. Yes. J'ai réussi à... Par contre, faut pas défausser. Ok. Je vais retourner la lampe. Allez. La lampe, fallait pas la virer 46. Quand j'ai regardé. Alors, j'ai la petite lune. Ça ressemble à son tiroir, étrangement. Où est-ce qu'il est, celui-là? Là. Ça ressemble à ça. C'est vu comme ça. Voilà. C'est vu comme ça. Le tiroir vide, il semble pourtant lourd et plus profond vu de l'extérieur. C'est comme ça. La lampe bleue, tac, tac. C'est pas tout à fait correct par rapport au dessin, mais bon. C'est pas tout à fait exact. Par contre, ça peut m'aider pour la machine. Alors, attends. Machine 72. Du coup, on le voit comme ça. Non, comme ça. Non, mais même pas, en fait. Ils ont fait ce qu'ils veulent, là. Elles sont bleues et blanches. Il faut faire quoi? Il faut les cliquer en vert. Comment je sais, moi? Si je peux le faire, déjà. Ça ressemble pas tellement au dessin, en fait. Bon, j'ai pas compris cette machine, je reviendrai après. J'ose pas cliquer sur des trucs. La lampe cassée, le coffre, c'est une boîte en carton, un code. Bon bah là, le placard, un dessin et la chambre. Et là aussi sa chambre. Bah, le truc, c'est que je trouve pas que ça ressemble au dessin. Ça ressemble pas au dessin. Même si je le mets comme ça, ça ressemble pas au dessin, t'as vu? Si on le regardait comme ça, ça ressemble pas. Comme ça, ça pourrait ressembler, parce que t'as ces deux-là qui sont là, celle-là, celle-là. Ah, faut que je clique celles qui sont pas sur le dessin. Celle-là, je la vois pas. Celle-là, je la vois pas. Celles-là, elles sont mal placées. Ça, c'est mal placé. Ça marche pas. C'était presque ça, hein. Parce que là, il y en a deux. C'est ces deux-là. Là, il y en a une, c'est celle-là. Là, il y en a une qui n'existe pas sur le dessin. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Celle-ci, ça pourrait être celle-ci. Mais par contre, la petite qui est là et celle-là... Ou alors, c'est l'inverse. Je clique sur celles qui sont sur le dessin. Quel cas c'est elle, 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 elle et elle. Et elle. Ça fait un 2 en plus. Vous perdez une minute. Vas-y! Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est pas clair. À chaque fois, c'est pas clair. Un 19. Rien à signaler. Ah bon. Indice 72. Alors. Certaines de ces étoiles ne ressemblent pas à la réalité. Et oui, c'est ce que j'ai dit. J'essaye de cliquer dessus. J'essaye de cliquer dessus. Très précisément. Attends. Ah oui, attends. Machine. 72. Certaines de ces étoiles ne ressemblent pas à la réalité, mais je sais. Lo sé. Celles-là, c'est les bonnes, elles sont pareilles. Celles-là, non. Celle-là n'y est pas. Et celle-là, non. Allez, bah celle-là ne ressemble pas à la réalité. Voilà. Vous perdez une minute. Vas-y, ça m'énerve. J'ai cliqué toutes celles qui ne ressemblaient pas à la réalité. Ça, ça. Aucune. Là, elle ressemble pas à la réalité. Celle-là ressemble à la réalité. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Et celle-là, c'est bon. Vous perdez une minute. J'en ai marre, je perds des minutes. J'en ai trop marre. Celle-là, elle n'y est pas. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ça y est pas. Ça, c'est. Ça, c'est bien ça. Ça y est, en fait. Et ça, non.
Bon, j'en ai marre. Comment on a une solution? La machine 72, indice. Certaines de ces étoiles ne ressemblent pas à la réalité. Mais je sais! Donnez-moi la putain de solution. Avez-vous bien observé le rebord de la fenêtre? Quel rebord de la fenêtre? Quel rebord de la fenêtre? 44! Il y a une putain de carte 44 que je peux prendre. Je trouve que c'est trop dur. Ça marche pas. Ah, c'est la fin de son dessin crétin, là. Ah, c'est une cabane qui a des cheveux. Bon, je te... C'est un gars à poil qui prend sa douche. Il observe son voisin, ce gosse, avec son télescope. Allons-y. Mais j'ai bien vu qu'il y en a qui sont pas dans la réalité, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut cliquer celles qui sont déjà existantes. J'arrête pas de perdre des minutes, c'est casse-couille. Alors... Est-ce que je dois cliquer sur les bonnes? On te dit pas sur quoi tu dois cliquer. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien et ça c'est bien. Ok, et ça on va dire c'est bien. Le reste c'est pas bien. Si, celle-là elle est bien. Hein. Le reste non. Bon, j'en ai marre. Faut faire quoi? J'ai cliqué sur les bonnes. Hein. J'ai cliqué sur les bonnes, j'ai cliqué sur les mauvaises. Je regarde leur dessin et leur emplacement. Ça me fatigue, Unlock. Ça m'a toujours fatigué. Là, c'est une mauvaise. De toute façon, je m'en fous du temps. Ça, c'est une mauvaise. Ça, c'est mauvais. Perdez une minute. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, ça, c'est des mauvaises. Mais elles sont où les solus en fait? Pourquoi on n'a pas les solus? Quand tu veux qu'on te donne la réponse, ça se passe comment? Elles sont où les solus dans ce jeu? C'est où les solutions? Dans la règle? Non, il n'y a pas les solutions. Non mais ça c'est une vraie question. Elles sont où les solutions dedans? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas d'indice. Regardez, je fais indice 72. On ne propose pas d'indice. On ne propose pas d'autres indices. On me dit que certaines de ces étoiles ne ressemblent pas à la réalité. Et c'est tout ce que j'ai. Là, je demande indice 72. On ne propose pas un autre indice ou la solution. Il y a un PDF que le développeur a fait, mais il est galère à trouver. Les solutions sont sur le site. Attends, t'es obligé d'avoir Internet. Pour avoir... ça, c'est un petit défaut, ça. Ça, c'est un petit défaut, quand même. T'es obligé d'avoir Internet et d'avoir imprimé. Pourquoi l'appli ne te donne pas la solution comme dans les autres Unlock? Hein? Ça m'énerve, ça. Bon, machine 72. Dites-moi, parce que c'est hyper casse-couille. J'aime pas du tout cette énigme. J'ai cliqué sur les bonnes, j'ai cliqué sur les mauvaises. Donc, rien ne marche. Rien ne marche. On peut pas cliquer sur la lune. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur tout? C'est évidemment pas ça. Les deux, ça marche. C'est assez mal fait, en effet. Tu peux bloquer facilement sur un tiers. Bah oui, je comprends pas. Il n'y a pas les solutions. C'est vraiment hyper décevant. Tu dois aller sur Internet chercher un putain de PDF. Attends, pour savoir sur quelle étoile cliquer, ça leur coûtait quoi de la mettre dans l'appli? En haut à droite, là, c'est pour fermer. Pour fermer la machine. Alors, il n'y a que 3 étoiles qui ne sont pas dans la réalité. Ah bon? Bah oui, mais j'ai cliqué. Hein. Celle-là n'est pas dedans. Celle-là. Et celle-là. J'ai déjà cliqué. J'ai cliqué sur ces 3-là. Hein. J'ai cliqué, regardez. Machine 72. Je vous ai dit, celle-là n'est pas dedans. Celle-là n'est pas dedans. Et celle-là n'est pas dedans. Mais celle-là est mal placée, par contre. On l'a dit. Bon, allez, vous découvrez un double fond dans le tiroir. Le panneau s'ouvre sur une mystérieuse mallette. Mon scénario est trop génial. Jouez-y, vous avez les réponses sur un PDF sur Internet. Alors, vous enlevez 9, 60, alors 72.
9. Super énigme. Hein. Top. Voilà. Non, mais en plus, si c'était ça, franchement, c'est pas très dur. Hein. Mais je suis sûre d'avoir appuyé sur ces étoiles-là, donc... Mais la dernière fois, j'étais sûre d'avoir pris une carte là-dedans et je l'avais pas prise. Hein, donc, à un moment donné, j'étais sûre d'avoir pas vu la carte. C'est moi aussi, hein, tu vois, j'accepte. Une boîte à goûter fermée par un code à 4 chiffres. Ça va sûrement être écrit dans le texte, noir sur blanc. 5, 1, 25. Okay. Ballon, voiture, soleil. Ah bah ça, c'est bon. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Eh, parce qu'il y avait quand même pas trop code. Hein. Excusez-moi, mais j'essaie quand même de pas être trop débile. Hein. Je fais de mon mieux. Donc là, il y a 3 ballons sur cette image. Je vais compter le nombre de petites bagnoles. Et le nombre de soleils. Alors attendez, c'est quoi le code 5, code. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soleils. Sur son lit, il y a 7 soleils à la fin. Des ballons, il y en a 1, 2, 3. Je vais commencer par mettre un 3. Des petites voitures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est cachée. Évidemment, il y en a forcément un nombre à 2 chiffres puisqu'il n'y a que 3 machins et qu'on veut 4. Allez, 10. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soleils. On va sûrement m'enculer sur les voitures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est bon. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, déjà. Heureusement que j'ai pas mis. Il y en a 12. 3. Mais oui, mais je veux juste recommencer. Il n'y a pas la fonction revenir en arrière comme quand tu mets la carte bancaire. Bon, combien il y a de petits ballons ? 1, 2, 3. Ça, il n'y a que 3 ballons, on est d'accord. 3 ballons. Une voiture. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Non, j'en ai que 11 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Et des soleils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Machine non trouvée. Tu saoules là. Ah, je suis dans une machine, j'étais pas dans un code. 3. Puis tout à l'heure, je me casse le cul à rentrer pour une machine. Je te l'ai dit que j'avais pas aimé, mais apparemment le reste est vraiment fun. Ah, c'était ça dont tu... Mais tu m'avais dit de faire exotique, toi. Justement, j'ai pris ton conseil, j'ai fait exotique. Selon ton conseil. Bon, 3, 12, 7. La serrure de la Hero Box se déverrouille. Prenez la carte 45. Alors. Non, mais le pauvre, celui qui a fait le scénario, je pense toujours à lui, ça me fait un peu pitié. Ah, tu m'as dit de faire exotique sauf le premier. Oui, mais je les fais tous dans l'ordre. J'enlève 55 et 67. J'ai toujours ma terreur nocturne là, hein, donc... ça, je vais le retourner dorénavant. 45. J'ai le droit... vous avez ouvert la Hero Box de Guillaume. C'est pas trop un héros, le gars, hein, excusez-moi. Alors, 6, 23, 12. 6, 23, 12. Voilà, j'étais sûre de ne pas avoir vu la 12 et je l'ai sûrement passée. Voilà, j'avais cliqué sur l'étoile. Tac. Bien, ah oui, j'ai pas le droit de tout regarder parce que j'ai le droit qu'à 4 cartes. Je vais fermer cette Hero Box déjà. Je vais fermer cet imbécile de chaussette. Allez. Je regarde les 3. Ah, il y a une espèce de... Ah, c'est une ampoule. Capable d'émettre une douce lumière. On va pas le réveiller ce môme cette fois. On va faire 69. Elle est là. Elle est ici. J'ai mis une lumière faible. 69. Une lumière douce envahit. Ah, je peux enlever la terreur nocturne alors. Dites-moi. Oui, allez. On enlève la terreur nocturne. On enlève le 77. On va essayer de pas tomber sur un autre monstre parce que. Et 23 et 46. Ok. Une lumière douce envahit la pièce et le monstre d'obscurité s'évanouit sous vos yeux. Seule une feuille subsiste. Elle virevolte dans l'air et tombe au sol. Défaussez cette carte, puis prenez la carte 74. Attends, je vais remettre tout avant qu'on me dise de tout enlever. Ah, vous voyez rien en fait. 74. Voilà. On y va. Ah, bah là voilà ma maison poilue. Ok. Ah, là aussi il y a un 7. Et là aussi il y a un 7. Ah, ça se met comme ça sans doute. Voilà.
Il y a un 7. 77. Je prends la 77. Non. Il y a un code. Dans le genre. Quoi d'autre? Alors, cahier de latin. Ah oui, le pliage pour les nuls. Bon bah... Merci les gars, il est fait. Gros GG. Mais j'aurais su le plier, je suis sûr. Je suis sûr que j'aurais réussi. Qui est amoureux de toi dans la classe? Dis une couleur. Tu es un cartable violet et bête. Ah, super. Tiens, alors, du coup. 12, cahier de latin. Les nombres romains. Ça, ok. 1, 5, 4, 8, 9, 10, 12, d'accord. Des chiffres et des lettres. Note, utilisez ces nombres et les 5 pages du guide pour enfermer le monstre du placard. 5 pages du guide, c'est ça? Ah d'accord. Ah, ça fait des cravates quand on les met côte à côte. Cool. Ah, parce que déjà, on nous a dit DCIX, donc ça, ça va faire le code. M aussi, d'ailleurs. Enfin, ça fera pas... Ouais, c'est ça. Utilisez ces nombres et les 5 pages du guide pour enfermer le monstre du placard. À mon avis, on peut trouver un truc qui fait 1000 et quelques. 1000, alors D, c'est 500. Ça fait 1600. 1611. Code faux. J'ai perdu 2 minutes! Ah, j'ai compris ce que vous voulez dire. Moi, j'ai tout additionné. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai tout additionné. J'ai fait 1000 plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein. Donc ça, ça fait 11 pour moi, 10 plus 1. Mais vous, vous dites que ça ferait 9. D'accord, ça ferait 1000. 1600, et à ce moment-là, plutôt 9. Mais bon, c'est... Ouais, d'accord. D'accord, 1609, alors... J'ai tout additionné les cartes, moi. Le placard s'ouvre en grinçant. Bah oui, mais moi, j'ai additionné les cartes. Défausser la 83 et la 12. C'était pas dur, ça. Prenez la carte 26. C'était pas dur dans les faits. Après, moi, j'ai dit 11 parce que j'ai fait 1000. Bah, j'ai tout additionné, en fait. Je l'ai pas lu, littéralement. Et on m'a dit la 12. Non, pas du tout, la 26. Oh, il faut reprendre plein de teucards. Alors. Ah oui, mais toi, tu peux te remettre là, mon petit Guillaume. Ma moitié avait réussi, et autant te dire qu'elle a des qualités, mais pas forcément dans les origami. Ah, moi, ça m'aurait bien plu de faire ce petit truc. Et j'ai mes deux mains pour faire ce truc, t'imagines? Putain, t'imagines, j'aurais pas eu mes deux mains. 3, 10, 42, 2, 11, 36. Alors. 36 est là. Ah, le pliage pour les nuls, je le mets pas de côté, mais je le mets là-bas. On m'a pas dit de l'enlever, donc je le pousse juste un petit peu. 36, 42. Alors, attends. 2 et 11, je vais les trouver facilement. 2 et 11, 36, 42, 3 et 10. Ok. Il me reste 3 minutes pour trouver comment sortir du placard. Une paire de chaussures pointure 36, ça ne me va pas. Ça ne va pas pour moi, ça. C'est un puzzle. Je mets une chaussure sur des chaussettes. Non, c'est naze. C'est naze. Ah, merde, il y a un monstre. Croque-mitaine. Le monstre surgit d'une boîte et vous terrorise avant de retourner se cacher ailleurs. Prenez la 57. Fait chier. C'était obligé qu'il y avait tellement de cartes à prendre que j'allais prendre une merguez, là. Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? La soudaineté de l'agression vous laisse sans voix, littéralement contrainte. Vous ne pouvez plus prononcer un seul mot ni produire un seul son. La contrainte prend fin lorsqu'on vous indique de défausser cette carte. Je le fais ou pas? Je vous laisse avec la musique et je parle plus? Est-ce que je le fais à fond? En partant du principe que comme j'anime mon live, je parle plus, je le fais. Pourquoi tu dis non, Mati? Accueillez les gens qui viendraient sur le live et se diraient pourquoi elle ne parle plus. Mais si vous êtes tous d'accord, d'accord, je ne parle plus. Ceux qui sont là sur le live, vous êtes prévenus. Pour ceux qui arriveraient, je ne vais plus parler pendant quelques minutes. Allez, la terreur commence, je suis terrorisée.
On a perdu, déjà, je vous le dis, le délai est passé. Bon, en vrai, je sais pas quoi faire, je voulais vous l'écrire dans le chat, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est dur de pas parler, c'est plus calme. Non mais là, franchement, c'est super dur, laisse tomber. Chaussettes sur l'ours. J'essaye. J'ai trop peur, les gars. Excusez-moi, mais j'ai voulu mettre la chaussette sur l'ours et je me suis pris ce truc là de taré là. Non ! De toute évidence, ce n'est pas ça. Appuie sur la pénalité. J'ai eu beaucoup trop peur. J'ai bien flippé là. Il m'a dit pénalité de toute façon. Perdez 3 minutes. Ah oui, d'accord. Bon, bah je vais mettre la chaussette dans la godasse. À mon avis, c'est pas ça. Hein. Les fils du croque-mitaine sur croque-vis s'enroulent en marionnette chaussette bien plus mignon. Une paire de chaussures. Pourquoi je mettrais la chaussette dans la chaussure en vrai? J'essaye. Si c'est ça, franchement, c'est naze. Des vraies chaussures de champion. Franchement, ça craint quoi. Tu vas mettre une chaussette dans une godasse, excusez-moi. Bah je sais pas, j'ai voulu. Il y a écrit en fait une marionnette chaussette bien plus mignon. Alors je me suis dit vas-y, je mets la chaussette sur l'ours, peut-être il va prendre vie. Il y a bien des godasses qui prennent vie, excuse-moi. C'est nul. Faut mettre des chaussettes dans des godasses qui sont vides. C'est même pas à mettre les chaussettes sur vous quoi. C'est les chaussettes qui ont des ailes maintenant. Les chaussures ont des ailes. Il fallait additionner des chaussettes à des chaussures quand même, les gars. Je sais pas si on se rend bien compte, là. Ah bah tiens. Et si je mettais les chaussures... Ah non, je peux pas mettre les chaussures à l'ours. Alors, si je faisais sortir les chaussures par la fenêtre. 70. Putain, si je me prends encore le clown qui me gueule dessus, ça va pas le faire. Bon, y a pas la carte 70, donc pas de risque d'avoir le clown qui est fâché. Bon. Je dois pas parler. Oui, c'est vrai, il donne le frisson, mais une lumière douce et rassurante aura raison de lui. Alors que j'avais mis une lumière trop forte. Trancher les fils, bon, ça c'était dans l'appli. Entrer dans le rêve et asséner les trois coups pour achever le monstre, ok. C'est peut-être les trois coups, nos trois boîtes, je sais pas. Éliminer toutes ces cachettes jusqu'à la dernière. Ça, c'est une cachette, ça? Comment je sais? Je ne sais plus, je suis perdue. Sinon, je balance l'ours par la fenêtre. On sait jamais. Moi, j'essaye tout. Non, j'ose pas, je vais me faire gueuler dessus. Voilà, je le savais que j'allais me faire gueuler dessus. Non, de toute évidence, ce n'est pas ça. Appuyez une fois sur le bouton pénalité. Pénalité. Oh merde, j'ai appuyé plein de fois et j'ai perdu plein de minutes. C'est faussé ce que je viens de faire. Normalement, ils disent... Vous perdez tant de minutes, là j'ai appuyé, je croyais que ça marchait pas, du coup j'ai appuyé 3 fois, j'ai moins 15. C'est vraiment le seul truc qui me déplaît dans Unlock, c'est les pénalités qui coûtent du temps alors que tu appuies sur un écran ou autre. Ah oui,
Je pense que ça vient du fait que j'adore les escape games en vrai, et que c'est dès qu'on teste des choses ou pas des malus temps. Oui, c'est ça, voilà. On peut pas tester. Bon, moi, ce clown qui me gueule dessus, ça me gave. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On n'est pas très bien aiguillé dans Unlock, je vous avoue. Il y a pas de un petit peu de t'as fait ça, donc là tu peux faire plein de trucs en même temps, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, c'est un petit peu éliminer toutes ces cachettes jusqu'à la dernière. Moi je veux bien éliminer les boîtes, mais en fait il est dans des boîtes ce con, donc il faut éliminer des boîtes. Comment on élimine des boîtes? Il y a aussi une broyeuse pour faire des confettis. Tu veux que je broie quoi? Et si je broyais ces dessins pourris là, ils sont moches, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Faut que j'élimine les boîtes. Une boîte en carton solidement fermée, une boîte en carton solidement fermée. Le monstre surgit d'une boîte et vous terrorise. Donc ça veut dire qu'il faut que j'élimine les boîtes. Je jette les boîtes par la fenêtre. Ah. Et si je pouvais... seulement je pouvais découper dans ce jeu. La carte jaune, ça dit de broyer des trucs. Faut voir des chiffres cachés, c'est ça. Il doit y avoir un truc chelou. Faut voir des chiffres dedans. C'est sûr qu'en enculant des mouches, je vois un 8, je vois un 2, je vois un 9, un 2 là. On voit des chiffres, hein, c'est sûr. Hein. On peut pas faire n'importe quoi quand même. Au point où j'en suis, de toute façon, je m'en fous. C'est pas ça. Perdez 2 minutes. Le truc, on va finir à moins 3 heures. C'était fort, hein. Les boîtes sont en carton, ça peut se broyer. Alors, je les mets dedans? Ah, je fais le code 1137, c'est ça le code? Avez-vous bien lu le guide des monstres? Là, il m'engueule le truc. Là, l'appli en a marre de moi. Il me dit, avez-vous bien lu le guide? Tout recoin sombre lui plaira, de la plus petite à la plus grande boîte, en passant par un banal placard. Placard? De la plus petite à la plus grande boîte en passant par un banal placard. Donc il faut que je fasse 7, 3, 11 plutôt. Oui, vous détruisez, elles sont en carton, elles rentrent dans une broyeuse. Excusez-moi, mais moi j'ai travaillé, je voulais dire, dans les RH donc, et on avait une broyeuse, et bah je pouvais pas mettre une boîte en carton dedans, je vous ferai dire. Ça n'aurait pas marché. Allez, défaussez la 2, la 3, la 7, la 11, 42, 57. 42, 5. Oh, je ne suis plus terrorisée, je peux parler. Bon, c'était un petit peu ce que j'avais refait, mais cool. La 60. La fin du dessin pourri. On y est, enfin. Ah putain, le dessin, il va prendre 40 pages. Guillaume, t'as pas autre chose à faire? Il y a un code, 577. 577, rien. Il manque un chiffre, les gars. 577. Petit homme tout nu, qui est sous sa douche. C'est une douche, ça? 2, il est là. 2, 5, 7, 7. Bon, c'est ça. Je rentre un code, 2, 5, 7, 7. Code 2577. Vous entrez dans le rêve de Guillaume. Ça me fait un petit peu flipper. Vous entrez dans le rêve de Guillaume. Prenez les cartes 17 et 49. Défaussez le dessin d'enfant. Et les cartes 0, 5, 45 et 76. 45, 0, 76. Et je garde le placard. Ça fait un petit peu flipper quand même. Les dessins. Je suis rentrée dans le rêve de Guillaume. Je suis rentrée dans tes rêves. Ah, aurais-je entendu Guillaume? Ah, ce Guillaume, j'arrive dans ses rêves et il est pas prêt celui-là. Hein. Ça, allez, j'arrive, Coco. Mais c'est Peggy 18, ça. Alors, puis appuyez sur Go. Ah non, prenez les cartes 17 et 49. Excusez-moi, pas appuyer sur Go, je suis pas prête. Il va y avoir un monstre, c'est ça? Bah oui, le monstre du rêve. Boom. Le monstre dévore tout ce qu'il trouve. Contrainte, vous devez appuyer sur le bouton central de l'application quand le compte des comptes arrive à zéro. Trouvez le moyen de vous débarrasser du dernier croque-mitaine. Go. Ça me fait un petit peu peur. J'ai pas très envie de toucher. Vous devez appuyer sur le bouton central de l'application quand le compteur arrive à zéro. Mais en fait, je n'ai pas envie de toucher cette chose. Ça me stresse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver le moyen de débarrasser du croque-mitaine. J'en sais rien, moi. Entrer dans le rêve et asséner 3 coups pour achever le monstre. Je stresse. Quand ça arrive à zéro. Me dis pas qu'il faut faire ça 3 fois. Tu m'étonnes que t'arrives à la fin de l'énigme. Caché au plus profond du rêve de l'enfant, il dévore peu à peu.
Il le dévore peu à peu pour le changer en cauchemar. Entrer dans le rêve, asséner les trois coups pour achever le monstre. Faut le faire trois fois, quoi. Oh, il veut du courage. Attendez, je lui donne la carte 27, déjà. Attendez, je lui donne la carte 27 à ce coco. Je lui donne son petit nounours, quand même. Allez, tiens mon doudou. Voilà, dans sa combi ourson. Guillaume est tout à votre écoute, mais impossible de vaincre le monstre à main nue. Oh, il a mis sa petite combi ourson, celui-là, il est mignon. Il a son petit équivalent de son petit pampa. Il est mignon quand même. Bon, troisième coup. Encore ? C'est pas ça apparemment. C'est pas ça apparemment. Il va attraper mon doigt là, je le sens. Celui qui mange les rêves, caché au plus profond du rêve de l'enfant, il le dévore peu à peu pour le changer en cauchemar. Entrez dans le rêve et assénez les trois coups pour achever le monstre. Voilà. Je l'ai tapé trois fois. J'ai fait un, deux, trois, ça n'a pas marché. Ah oui ? Non, ça n'a pas marché. J'ai flippé. Oh, et si je lui donnais des godasses magiques ? Attendez. 93, c'est ça que ça fait ? Oh zut, il peut pas mettre mes petites chaussures là. 92. Non. Ça marche pas. 92, tu peux mettre des godasses magiques ? Oh ! Allons casser la figure du vilain monstre. Tac. Yeah ! Allons casser la figure du vilain monstre. Prenez les cartes 54, 62, 68. Attendez, parce que sinon il va nous bouffer. J'aimerais bien savoir ce qui se passe si j'appuie pas dessus. Oh, il va falloir utiliser cette chose. Pif, paf, pouf. Vas-y, j'ai envie de le faire dans l'ordre de pif, paf, pouf, moi. Pif, paf, pouf. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? J'ai appuyé sur le bouton central quand l'application arrive à zéro. Ah oui, parce que sinon, si je le fais pas, il se passe un truc, c'est ça. Ah, il a dit que c'était pas possible à main nue, mais par contre, à pied basket magique, c'est possible, ça. Évidemment. Pif ! Paf ! C'est pas ça. Pif ! Non. J'ai rien compris ce que je suis en train de faire. T'as les yeux de vipère, hein. Les yeux de cochon... Yeux marron, yeux de cochon. Rien compris. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut voir quoi en fait ? J'appuie parce qu'il va me bouffer. Elle essaye de me bouffer. Zéro. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Qu'est-ce que vous êtes qui, monsieur ? Bonjour. Alors. Marche pas ça. Je sais même pas ce que j'essaie de faire. Ça rentre pas. Ah, attendez. Mais si j'appuie pas, il se passe quoi ? Vous perdez 30 minutes. Ah. C'est bon. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe si jamais j'appuie pas. Faut que je le mette comme ça. Et je l'attrape comme ça, non ? Alors. Ah là 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 là. Il a dit que c'est pas bon, ok ? Ça s'auto-détruit sinon. Ah d'accord. Si tu mords la carte avec le truc. Ah non, non, non. Non, j'ai essayé de mettre des cartes là, justement, de remplacer des carrés. J'aimerais bien, je suis un petit peu tentée de voir quand même ce qui se passe si jamais j'appuie pas, mais enfin. Pif, paf, pouf, tarapapapouf. C'est lui le général boum boum. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Apparemment, la solution est dans ces trois cartes de pif, paf, pouf. Hein. Est-ce que déjà c'est le même ? Oui, c'est le même. Ah, ça c'est le monstre, on le regarde, non ? Ça c'est le monstre qui nous regarde. Ouais, c'est ça ! Attendez. C'est ses yeux.
tel qu'on le voit, regardez, tac. Il a deux yeux rouges, un gros yeux rouge. Voilà. Donc il est comme ça. Il faut découper ça, peut-être. Il faut des ciseaux, je pense. Je pense. Bon. Pif, j'ouvre. Paf. Ça, rien. Pouf. Ouais, ça c'est le monstre, là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Attendez. Ok, indice. Indice quoi ? 54. Vite, le croque-mitaine dévore cette carte. Un solide coup de poing lui a coûté une dent. La position de celle-ci est l'une des clés pour le vaincre. Pour vaincre quoi ? Ça lui a coûté une dent. Là, ça lui a coûté une dent. 1, 4, 3. 1, 4, 3. C'est ça qu'il faut faire ? Et qu'est-ce que j'en fais de ce 1, 4, 3 ? Vite, le croque-mitaine dévore cette carte. Un solide coup de pied lui a coûté une dent. La position de celle-ci est l'une des clés pour le vaincre. D'accord, ce sera toujours la même chose. Hein. De toute façon, c'est ça, d'aller. Comment je sais comment on tue ce truc ? Faut que j'appuie sur ses dents. Non. Non. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah, il dévore cette carte. Ah oui. Là. Il a des... On s'amuse bien avec ce petit truc. J'ai envie d'en fabriquer. Et d'écrire de mettre des petits trucs derrière pour ma fille et tout. Dévore cette carte. Ça lui a coûté une dent. C'est la dent de devant, là ? Celle-là. Ok. Après, il dévore cette carte. Paf ! Ça lui a coûté la dent derrière, la 4, là. Et ensuite... Paf ! Ça lui a coûté celle-là. Donc, il a perdu... Attendez, parce que ce truc prise de tête... Mais j'ai envie de le voir un petit peu nous bouffer ou faire je sais pas quoi. Pif paf pouf. Donc il a perdu la grande dent qui est là. Mais comment je sais ça? Qu'est-ce que j'en fais? La grande dent, il a perdu. Après, il a perdu cette dent-là. Et ensuite, il a perdu une dent en haut. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Faut que j'appuie sur les chiffres avant zéro. J'ai pas compris moi. Si j'appuie sur des chiffres, ça fait quoi? Ça fait rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent retenez la position de la dent que vous avez cassée. Non, c'est juste casser cette dent-là. Ces couleurs ne vous rappellent rien. Faites mordre les cartes par le croque-mitaine et observez. Ah, tu veux dire que... Attends, il faudrait qu'on parte du principe que ça, c'est les dents qui ont été cassées. C'est un petit peu... Non, parce qu'en fait, les trucs de couleur là, que vous voyez... sur leur bord là, là. Ça, c'est des dents, ça. Ces dents, elles sont jaunes, elles sont pas de couleur, les gars. Bon, admettons, donc ça fait bleu. Ils disent, regardez les couleurs. Bleu, rouge. Bleu, rouge, jaune, ok. Ah, faut que j'appuie sur les couleurs bleu, rouge, jaune, alors. D'accord. Parce que chaque chiffre a une couleur, là. Je vais faire bleu, rouge, jaune. Attendez. Voilà. Bon, bleu. Non, c'est pas ça. Ah, ça donne un code. Bleu, c'est 6. Rouge, c'était 8.
6, 8, 4. Qu'est-ce que j'en fais de 6, 8, 4? Faut que je rentre quelque part. Y a pas une image où elle a perdu dedans, non? C'est bien 6, 8, 4. Hein. Bah oui, tu peux croire bien que c'est ça. Hein. 6, 8, 4. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce 6, 8, 4? Où est-ce que je le rentre, ce code, en fait? En fait, on sait pas ce qu'il faut faire. Hein. Qu'est-ce que j'en fais de ce 6, 8, 4? Ben oui, mais si je tape sur les boutons, faut que j'attende que ça revienne. En fait, quand t'arrives à ce monstre-là, t'as quand même... il faut qu'il te reste 3 quarts d'heure dans l'aventure. Faut que t'aies fait le début en 15 minutes. Et le temps que ça revienne au début. Voilà, j'appuie sur 8. 6. J'ai fait 8, 6, 4. Ces croque-mitaines ne sont plus qu'un lointain cauchemar pour Guillaume. Vous l'avez aidé à vaincre ses peurs. Félicitations. 2 étoiles, je crois que c'est mon pire score ever. Bon, oula, croque-mitaine est tombé. Oui, bah j'ai pas trop aimé. Voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Ah, parce qu'il fallait aussi trouver un petit tronc d'arbre qui servait à rien. Super, dans mon dessin horrible. Non, non. Ah, il y avait aussi ça. C'est très chou, ça. D'accord. Non, ça servait à rien. Bien, c'était sympa. C'était sympa, ce petit unlock. C'était cool. Moi, je trouve qu'on n'est pas très bien guidé et qu'on s'y perd. Voilà. Mais on a sauvé Guillaume. On lui a donné son nounours. Il est réveillé. Tout va bien. Les croque-mitaines sont repartis. Super. Voilà. Les chiffres, c'était juste les comptes à rebours. Ah bon. D'accord. Admettons. Non, mais c'était très sympa. Très, très sympa. Il est bien chez Razad ou pas? Parce que le fait est qu'on a un tout petit peu plus d'une heure pour le faire. Est-ce que c'est trop juste? C'est trop juste. Je vais pas me lancer là-dedans, je pourrais pas le finir. Je dois rusher la fin. Donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est dommage. Mais j'ai qu'une heure, donc j'ai pas le temps, je pense. Tu trouvais tellement bien que je me demandais si tu l'avais pas déjà fait. Zoidberg. Eh ben, il est habitué sans doute au unlock. C'était un peu trop effrayant. Oh. À plusieurs, c'est plus marrant. Oui, j'imagine. J'imagine que c'est plus drôle à plusieurs. Sherazade est bien aussi. Ah, c'est la troisième boîte d'Unlock. Ils ont évolué au fil des boîtes. Oui, parce que là, je t'avoue que je suis pas très très convaincue. Je suis pas très très convaincue. On peut peut-être se lancer. On essaye de le faire. Mais à mon avis, on va manquer de temps. Je voulais le lancer plutôt à 13h30, le live, puis ça a duré, et j'ai dû manger, et voilà. Mais écoutez, non, c'était bien, franchement c'était bien, c'est juste que moi je trouve que nous ne sommes pas guidés dans les unlocks, nous ne sommes pas, on nous dit pas oui c'est ça ou non c'est pas ça. Donc voilà, tu penses aussi que quoi Mati? Sherazade est en grand danger. Bah oui, je pense qu'il vaut mieux faire une prochaine fois. Le dernier conte de Sherazade, dans une heure elle doit raconter sa dernière histoire au sultan, malheureusement elle n'a plus d'idées. Oh c'est trop mignon, j'ai trop envie de le faire. Eh bien je propose qu'on le fasse plus tard, voilà. Peut-être on le fait tout à l'heure et on va jouer un petit peu à Ascension, là. Je switch un petit peu mon programme. Soit tu rushes à la Lupin, ou tu coupes entre les deux. Non, bah on va s'arrêter là. Du coup, c'était... je vais arrêter cette vidéo-là, notamment pour ceux qui regardent en replay. C'était... Unlock Exotic Adventures. Alors, apparemment... alors, ils les rangent dans l'ordre ou pas? Parce que, auquel cas, ce serait le quatrième. Est-ce que vous pensez qu'ils sont rentrés dans l'ordre, là, de sortie? Exotique, ce serait le quatrième. Il y avait Escape avant, Mystery ou Secret, mais peut-être qu'ils sont pas du tout rangés. Celui avec les dinos est bizarre, avec les déplacements sur la carte. Je me souviens plus des histoires, mais des mécaniques. D'accord, il serait dans l'ordre, ce serait le quatrième. C'était pas... j'étais un tout petit peu déçue. Je trouve qu'on n'est pas très très guidé dans Unlock. On vous dit pas, oui, c'est ça, vous vous trompez, ou parfois t'es un peu paumé. Mais en même temps, je reconnais que c'est le but, c'est de chercher, c'est... c'est de chercher, c'est de que ce soit pas simple, de se prendre un peu la tête, de se dire ah oui. Et puis c'est ça que je trouve immersif et qui ressemble à, aussi à un escape game IRL, c'est que vous êtes un peu bah, dans la vie, qu'est-ce que je ferais? Oui, je prendrais la chaussette, je la mettrais là dans la chaussure. Bon voilà, moi j'aurais pas mis la chaussette dans la chaussure, mais bon.
Enfin bon. En tout cas, voilà, Stay Unlock Exotic Adventures. Je vous donne rendez-vous à 18h. On fera l'épisode de Sherazade. Et pourquoi pas enchaîner, parce que j'avais prévu un petit live plus long. Pourquoi pas enchaîner sur les dinosaures. On se sera fait la boîte. Voilà, on kiffe de toute façon faire des escape games. Bien sûr, à chaque fois, je rigole et je dis que. Je fais des blagues, je dis que c'est difficile. Mais chacun aussi trouve son bonheur où il veut et peut dans les escape games. Et il y a des mécaniques qu'on aime bien, il y a des façons de faire qu'on aime bien. Moi, je suis souvent un petit peu paumée dans Unlock, mais j'adore aller au bout et je trouve souvent que parfois c'est assez sympa. Donc effectivement, c'est trop court, je pense que j'ai besoin de plus d'une heure pour faire à chaque fois, surtout avec vous. Et dans ce cas, il n'y aura pas assez de temps pour faire Sherazade. Donc là, je coupe, on va jouer à Ascension et à 18h, on fera les suivants. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, si vous voulez me retrouver sur Ascension, c'est tout de suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous les uns les autres et bisous. Ciao.